Pourquoi la Corée du Nord lance-t-elle régulièrement des missiles autour d'elle ? Il y a trois choses à comprendre. Premièrement, le pays est géographiquement encerclé par de grandes puissances. La Chine, le Japon, la Russie et les États-Unis au travers de la Corée du Sud. Deuxièmement, historiquement, les deux Corées sont nées dans la douleur. La péninsule coréenne a été déchirée en deux par les Soviétiques et les Américains lors de la guerre froide. Les deux pays ne reconnaissant pas l'autre, le Nord a tenté d'envahir le Sud dans les années 50. Suite à cette guerre, la Corée du Sud a obtenu le soutien des États-Unis, qui en a assuré la protection. C'est à partir de là que la Corée du Nord commence à développer son arsenal en faisant régulièrement des essais nucléaires. Troisièmement, ces dernières semaines, les États-Unis et la Corée du Sud ont fait des exercices militaires de grande ampleur pour marquer leur présence, notamment face à la Chine. Kim Jong-un a alors tiré des missiles en justifiant cela comme une réponse de protection face à ce qu'elle juge être un scénario de future invasion ou de déstabilisation du régime, et elle a trouvé l'appui diplomatique de la Chine et la Russie.